Radio, le nouveau son, le Marrakech du rire. Et comme le disait si bien, et comme tout à l'heure, bah on sera dans votre sang hein, tout au long de cette matinée, au cœur de l'événement. Hier, c'était le Gala Africa et sur scène, il y avait les zinzins de l'art. Ouais. Caboré, l'intellectuel et Alain. Bonjour les garçons. Bonjour Conny, bonjour, bonjour Vibe. Ça veut dire bonjour. Tu es obligé de parler. En fait, je suis là, c'est pourquoi. Si toi tu veux parler, moi je suis là, je suis ton mode audio. Toi tu es mode silencieux, donc laisse-moi m'exprimer. Il prend l'avion, il pense que c'est fini. Non, mais en plus, il est bobo, mais il prononce ses mots. Il fait une caméra. On entend des trucs. Bon, vous êtes en forme ce matin. C'est vrai qu'il est très tôt. Hier, c'était chaud ou pas sur scène? C'était chaud. Le track était à un niveau vraiment qu'on ne pouvait pas imaginer. Jouer devant des blancs, un public un peu coloré, c'est quand même bizarre. C'est pas comme le public d'Abidjan, là, où tu peux de temps en temps zaïer, parler nouchi. Là, tout était calculé. Et puis, avec une régie. Oui, quoi? On dit une régie ou une régie? One. Bon, one régie, là, il n'y a pas de. Une régie. Alors, qui suit tout ce que vous dites à la lettre, à la moindre virgule près. C'est-à-dire, quand tu fais comme ça, il doit balancer le son. Donc, si tu oublies. On comprend tout de suite que c'est un autre niveau de professionnalisme. Voilà, justement, c'est un autre niveau. Et c'était vraiment cool, quoi. On avait peur, mais on avait peur pour rien, hein. On l'a tué. Moi, mais j'étais vraiment inquiet. Hein. Je parle maintenant, tu vois. J'étais vraiment inquiet. Il y avait un stress, c'est normal un peu quand même. Par rapport à nos spectacles, je me disais, est-ce que ça allait être réceptif, c'est ça, non? Reçu. Voilà. Tu vois, je suis allé à l'école. C'est ce que est-ce que ça allait être reçu? On avait cette inquiétude-là, donc... Du coup, le stress était là. Ça va, vous n'avez pas reçu de tomates sur scène? Non, pas de tomates sur scène. Au contraire, des applaudimètres, des applaudissements, même des bisous à distance. C'est ce qui me fait mal. Quand on me fait... Et puis on l'a... Tu peux pas. C'est-à-dire que c'est... tu ne ressens rien. On voulait des contacts directs, physiques. Mais on part avec de nombreux souvenirs hein, du Gala Africa et du Marrakech du Riz en général. Oui. Vraiment. Non, bah moi je vois deux zinzins à Marrakech. Est-ce que je dis deux gaou à Marrakech? Non, c'est la première fois, non? C'est la première fois. Non, des gaou aussi, hein, parce qu'on a mangé des plats ou des sauces avec du lait, du sucre dedans. C'était quand même bizarre. D'ailleurs, j'ai une interview au Conny. Comme tu as dit tout à l'heure, on va l'appeler cette interview deux zinzins gaou à Marrakech. Deux zinzins gaou. On peut mettre gaou avant. Deux gaou. Justement, la première fois, c'est les premières fois à Marrakech. La première fois dans la piscine. La première fois dans la piscine. Quelle piscine? Où il y a l'eau là ou bien sur la scène? Piscine où il y a l'eau là quoi? Mais nous on n'a pas nagé où? Rien fraîcheur là. Toi mais tu vois fraîcheur là. La première fois dans la fraîcheur. Ce matin même. Ce matin ils étaient en train de se plaindre. Ce matin je comprends. C'est pas facile. Abidjan est mieux. Non, là, le temps est vraiment bizarre. Parce que ce qui est étrange c'est quand tu te lèves le matin tu veux faire pipi et puis tu retrouves pas ton arme que tu avais envoyée. Tu envoies une roquette et tu te retrouves avec un pistolet. C'est quand même. C'est le froid qui fait ça. Voilà, toi, c'est le froid qui fait ça. Toi, moi, pour moi, là, j'avais une terrasse. C'était Platinium. La première fois devant Jamel Debbouze. Non, moi, je ne croyais pas d'abord même. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, j'ai cru que c'était Photoshop même. Oui. Ah, on dirait un rêve. C'était quelqu'un qui a l'habitude de photo. Tu sais, eux, là, c'est un peu le dieu de l'humour. Donc, on ne pouvait même pas s'imaginer, en tout cas, les rencontrer comme ça, de cette façon-là. Ouais. Et il est venu de façon vraiment simpliste. Il est relax. Et c'est lui-même qui est venu vers nous. Il a commencé à nous taquiner. On dit, ah ben, quoi? Nous aussi, quelque part, on est grand. Hein? Ouais. On était contents, on était très émus. C'est vraiment cool, quoi. Ouais. Parlons de grandeur. Ils ont pratiquement la même taille avec Alain, Jamel. Sur ce plan, j'étais quand même déçu. Hein? Ouais. Il est comme Alain. Il est très petit. Tu veux du quoi par là? Il est très petit. les gaou zinzin, la première fois devant les Marocaines. C'est difficile, on ne sait pas par où commencer. C'est il redevient bobo, là. On ne se comprend pas. On a du mal à se parler. Donc, on se contente de dire salam alaikum ou bien shukran. C'est le mot qu'on a retenu. Avec gazakoum la khaira. Voilà. Ah, t'as appris beaucoup de choses quand même. Comme j'ai fait un peu madrasa, Dougmankala, je connais un peu. La première fois sur scène devant un public autre que celui d'Abidjan, vous nous avez dit le stress, mais surtout une envie peut-être de prouver quelque chose.
Mais bien sûr, une envie de prouver que nous aussi, on sait faire rire. Et puis, on entre quand même dans le moule, dans le cadre de l'humour universel. Donc, on a retenu quand même pas mal de thèmes qui concernent, qui concernent tout le monde, quoi. Donc, tu vois, le sketch du bobo, déjà, partout dans le monde, il y a un bobo. C'est universel, ouais. Voilà, c'est universel. Donc, du coup, ça cognait. Mais tu peux donner la différence, non ? On arrive au Sénégal, comment on m'appelait là-bas ? Au Sénégal, on l'appelle Mouma. C'est son nom en Wolof. Un bobo. Ouais, au Tchad, on l'appelle là, Mboukou. Ouais. Au Gabon, c'est quoi le nom ? Au Gabon, c'est Ababa. Ababa. Ouais. Voilà, Abidjan, c'est le bobo. Et chaque pays a un nom particulier pour les bobos. Et on dirait que les gars se penchent sur l'onomatopée, sur la façon dont les gars parlent, comme façon les Blancs ont appelé la mille pattes. Parce qu'ils n'ont pas de nom, ils ont regardé, c'est pas tes pieds, on te appelle mille pattes. Est-ce que aujourd'hui, du fait de faire tous ces pays justement, est-ce que ça apporte un plus à votre humour, à votre façon de travailler ? Oui, mais bien sûr, ça c'est clair, ça apporte beaucoup. Parce qu'on découvre d'abord des univers, des coutumes, des cultures, donc on est obligé de synchroniser notre humour à ces cultures-là. Donc du coup, ça apporte un plus. Ouais. Bon, vous rentrez là tout à l'heure, cet après-midi, hein, le cœur serré, le cœur rempli, c'est quoi ? Comment vous vous sentez ? Dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment ? Ah, c'est un métissage de tristesse et de joie, tu vois. Je ne sais pas comment il faut. Ça doit donner un goût bizarre quand même. Hein. Ouais, tristesse. C'est le même goût que la sauce avec le lait. Oh, voilà, c'est à peu près ça. Voilà, on rentre tout comme lait. L'envie de rester, de continuer. Mais dommage, on n'a qu'un séjour de 3 jours. Et Abidjan qui nous attend pour d'autres projets. Donc, ouais, du coup, ouais, voilà, on va rentrer. Pour la suite, justement, on s'inquiète. Hein, parce qu'en général, quand les gens connaissent un certain succès, ils commencent à avoir une certaine division. Vous me dites oui ou non ? L'argent peut vous séparer aujourd'hui ? Oui. Non, ça, il ne faut pas se mentir. Si voilà. Sur 1000 francs, lui, il veut prendre 700, on va se laisser. Hein. Ça, il n'y a pas de match. Une femme peut vous séparer ? Oui. Ça aussi, c'est possible. Si ça s'amuse à regarder d'une façon ma femme, on va pas se comprendre. Ça, c'est clair. Allez, Yako. Merci beaucoup. J'ai pas mon merci mal à les garçons. Bon retour à Babi et encore félicitations pour le spectacle d'hier. Merci beaucoup, Kone. Merci à Vibe Radio. Merci. Vibe Radio, c'est ma radio. Vibe Radio, C'est bon, Kone. Partez. Non, c'est bon. À tout à l'heure pour la suite. Vibe Radio.